Je me rends sur google.classroom.com. Lors de la première connexion, je dois me connecter avec l'identifiant et le mot de passe temporaire qui m'ont été remis ou transmis. Il va m'être demandé de modifier mon mot de passe. Une fois que je l'ai choisi précautionneusement et que je l'ai noté si besoin, je rentre l'adresse email transmise et ce nouveau mot de passe. Et accède ainsi à l'interface principale. Apparaissent l'ensemble des cours auxquels mon enfant a été ajouté. Je clique pour chacun d'eux sur « Rejoindre le cours ». Une fois que tout cela est fait, j'ai bien l'ensemble des cours auxquels mon enfant a été ajouté sous les yeux. Dans le menu de gauche, ici, j'ai un onglet Agenda qui permet à mon enfant de retrouver, semaine après semaine, l'ensemble des visioconférences ou des activités qu'il est invité à faire. Pour rejoindre un cours virtuel, il suffit pour l'élève, dans son agenda, de cliquer sur les visioconférences qui apparaissent. Sachez que les invitations en classe virtuelle, ainsi que les supports de travail, sont également disponibles dans la section « Affaires ». Mais aussi, pour chacun des cours, dans le flux et dans la section « Travaux et devoirs ». Ainsi que dans la section « À venir » pour les travaux dont l'échéance est proche. Lorsqu'un travail est demandé à l'élève, voici les étapes à respecter pour être certain ou certaine que le travail soit bien transmis à son enseignant. Vous pouvez cliquer sur le travail transmis, soit directement dans l'agenda, soit dans la section « À faire », soit au sein d'un cours, dans la section à venir si l'échéance est proche, dans le flux, ou dans les travaux et devoirs du cours en question. Ici, il y a un devoir d'histoire déposé par l'enseignant. Lorsque je clique dessus, apparaissent les instructions et consignes à lire attentivement. Ici, la tâche demandée requiert de la part de l'élève qu'il ou elle regarde une petite vidéo avant de compléter le formulaire. Votre enfant va donc regarder la vidéo en cliquant directement dessus. Les historiens. Une fois qu'il a regardé à deux reprises la vidéo, votre enfant va pouvoir réaliser le travail demandé ici en cliquant sur le questionnaire. Ce questionnaire s'ouvre dans un nouvel onglet. Il y a deux questions. L'enfant lit les questions et répond au QCM. Et tout ce qu'il a à faire lorsqu'il s'agit d'un Google formulaire est de cliquer sur « Envoyer ». Le devoir est désormais transmis à son enseignant ou à son enseignante. Il peut afficher ses résultats qui s'ouvrent dans un nouvel onglet où il voit qu'il a bien choisi les bonnes réponses à chaque fois, avec un petit commentaire de la part de son enseignant ou de son enseignant. Il a, une fois ceci effectué, juste à fermer son travail. L'élève peut avoir d'autres types de travaux à effectuer. Par exemple, ici, dans la section travaux et devoirs, il a un exercice de calcul mental à faire. Encore une fois, les instructions sont claires. On clique sur le document qui s'ouvre dans un nouvel onglet. On complète les réponses. Lorsque l'élève a terminé son travail, il n'oublie pas de cliquer sur « Remettre » en haut à droite ici. Puis sur « Rendre le devoir ». Le travail apparaît bien comme remis.